crois que si Jésus a passé du temps avec ses disciples, avec les hommes et les femmes de son temps, c'est pour faire naître en eux la joie. Voilà, il dit ça dans Jean, et c'est même une joie de plénitude. Et j'ai envie de dire, ma prière, c'est que chacun, chacune, au cœur de son quotidien, parfois simple, mais aussi parfois rugueux, difficile, puisse trouver ces petits éléments de joie qui font vivre et qui donnent du sel à notre vie.